Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle découverte. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour découvrir ensemble eh bien, les 5 GT3 qui ont été ajoutés il y a de cela quelques jours. On est un peu en retard tout de même sur Air Factor 2. Nous sommes bien évidemment sur PC aujourd'hui, on pilote au TGT. Nous sommes en post-commentary comme vous l'avez deviné. Et nous allons ensemble eh bien, découvrir ces 5 bolides donc, qui sont disponibles sur le Workshop Steam. C'est un contenu qui est développé par Studio 397 qui a repris la main depuis quelques années maintenant sur le jeu depuis que ESI a abandonné son développement et ce sont eh bien, les premières voitures payantes auxquelles nous avons droit. Il y a eu depuis l'annonce et la sortie de la formule électrique avec le circuit de Hong Kong, on y reviendra peut-être d'ici quelques jours en vidéo. Pour l'heure, nous nous inquiétons de savoir ce que contiennent et ce que donnent ces 5 voitures qui sont disponibles donc à prix unitaire de 4,99€ et surtout en pack, les 5 voitures pour 14,99€. Tout cela se passe évidemment sur le Workshop Steam et ça se passe également dans la description de cette vidéo. Alors, la première des 5 voitures que nous allons passer en revue, en tout cas dont nous allons parler, est la Bentley Continental GT3. Un bolide qui avait fait beaucoup parler à l'époque de par sa ligne et son aspect assez lourd, assez pâteau, à l'image un petit peu de la BMW M6 GT3, mais qui finalement s'est renouvelé au fur et à mesure des saisons et en 2-3 ans est devenue l'une des références avec différents succès et différentes belles prestations, que ce soit en Australie, en Europe ou encore aux États-Unis. Pas mal de compétitions ont été marquées par la présence de cette Bentley GT3, notamment 24 heures de Spa, Bathurst, les 24 heures du Nürburgring, bref, beaucoup de grandes courses ont vu cette voiture eh bien, venir jouer les troubles faits parmi les Audi, les McLaren et autres Mercedes. C'est une voiture qui est, contrairement à ce qu'elle pourrait donner comme impression, est extrêmement souple, est extrêmement agile, elle passe extrêmement bien en virage. On a un force feedback évidemment qui est assez précis, on a la possibilité de jouer avec la voiture et c'est une des rares GT3 qui permet cela. C'est un moteur avant évidemment, mais le couple de son moteur permet vraiment une utilisation assez homogène et je trouve que d'ailleurs dans le pack, chacune des voitures a ses spécificités techniques et sa spécificité de comportement qui accueillera bien évidemment les meilleures performances selon le circuit. Donc évidemment, pour moi, la plus facile à manier ou en tout cas à adapter sur l'ensemble des circuits, ça reste cette Bentley GT3 qui est pour moi sans doute la plus complète. Alors effectivement au niveau du comportement on a toute la possibilité de réglage qu'offre Air Factor 2 bien sûr, mais je trouve qu'au niveau de la gestion des pneus, de la température, le comportement et la facilité à l'appréhender, c'est une voiture qui est très convaincante et qui vraiment fait plaisir à voir tant rouler que derrière son volant. Alors effectivement, j'ai pas fait de course proprement dite pour vous en vidéo, mais j'ai quand même tourné avec les voitures, ce qui explique aussi un petit peu pourquoi cette vidéo est sortie un peu en retard. Et je trouve que c'est celle qui parvient le mieux à réagir au niveau du peloton. La McLaren est très bonne également, on y reviendra plus tard, mais c'est vraiment la voiture GT3 standardisée, moderne, des nouvelles générations, comme la M6, la nouvelle Audi R8. Ce sont vraiment des voitures assez poussées au niveau de l'aéro, très précises, très logiques dans leur mise au point, et on peut facilement en tirer le meilleur. Donc franchement, cette Bentley est un premier résultat vraiment réussi. Et en bonus, je vais vous laisser profiter évidemment sur cette GT3 eh bien, du son que développe son moteur parce que je le trouve, comparé aux autres, assez réussi. Écoutez. Si le son de la Bentley ne vous a pas convaincu, laissez-moi vous présenter la deuxième voiture de ce pack, la Mercedes AMG GT qui évolue sur cette aire en Allemagne sur le Hockenheimring. Alors également une voiture qui est récente, elle est depuis 2-3 ans maintenant sur les circuits, elle a marqué beaucoup d'événements, notamment les 24 heures de Spa avec eh bien une performance assez impressionnante en qualification jusqu'à ce que l'on découvre que la voiture était finalement eh bien illégale selon le règlement. Alors cette voiture, cette Mercedes AMG, fait également partie des nouvelles générations. Elle remplace la SLS qui a servi pendant de nombreuses années.
Une voiture qui est également très souple au niveau de son moteur et qui a une très bonne performance et une stabilité en ligne droite. Son moteur avant est très impressionnant, son empattement aussi. Ça permet d'avoir un comportement un peu plus compliqué à maintenir dans les changements de cap rapide comparé à la Bentley qui est là, comme je le disais, très homogène. Ici, on a une voiture qui est très très longue, un peu, c'est le problème de ce genre de voiture. Même si sur les GT3 modernes, ça se ressent un peu moins, mais c'est un petit peu comme, si vous pilotiez une Jaguar type E, c'est-à-dire que vous avez le long capot à l'avant. Et ça demande eh bien, une manière de piloter un petit peu différente. Pour prendre un exemple un peu différent pour que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Quand vous voyez les proto R18 à l'époque aux 24 heures du Mans ou les Toyota il y a quelques années, et que vous voyez arriver ensuite la Nissan LM Nismo avec son cockpit très en arrière, son avant très impressionnant. Mais ici c'est un petit peu la même chose, il faut savoir naviguer cette voiture qu'on considère beaucoup eh bien, comme un paquebot, comme un bateau. Et c'est vrai que cette voiture premièrement est très agréable à la conduite, facile à placer en virage. Même si parfois c'est un peu compliqué dans les caps rapides, il faut vraiment qu'elles soient réglées parfaitement, sinon vous décrochez de l'arrière, c'est très compliqué parfois. Mais sur un circuit comme Hockenheim, eh bien, elle évolue parfaitement bien parce qu'elle est sur des virages mi-vitesse, il y a quelques grandes courbes mais pas trop marquées, donc ça lui va plutôt bien. Et oui, le comportement de la voiture est un petit peu plus survireur en virage rapide et on a tendance à peut-être parfois passer trop vite et essayer de la perdre. Ici par exemple je freine très très fort pour passer le premier droit. J'ai peur qu'en sortie de virage, si je vais trop sur le vibreur, je perds la voiture. Donc effectivement cette deuxième voiture est un peu moins à mon goût, mais elle va convenir à un certain style de pilote, peut-être un petit peu plus précis dans leur réglage au niveau du comportement, de l'adhérence, du train arrière, surtout parce que c'est vraiment là où il faut travailler. C'est vraiment adapter l'écrasement et le roulis du train arrière pour vraiment avoir une voiture qui passe bien en virage et qui soit vraiment confortable, parce que pour le reste, sa vitesse de pointe et sa ligne droite, il n'y a pas vraiment de souci à se faire, elle est extrêmement convaincante. Vous l'entendez en caméra embarquée, le son est aussi très réussi. On n'en parle pas beaucoup du son, effectivement, dans Air Factor 2. C'est loin d'être l'un des atouts du jeu quand on compare à des jeux comme iRacing ou encore Racewind, qui reste pour moi aujourd'hui la référence. Il se débrouille bien et on reconnaît bien, pour avoir écouté plusieurs fois le son de cette voiture, et bien sur deux circuits, quand je vais par exemple à Spa-Francorchamps, je peux vous dire que c'est vrai que là, on a vraiment la sensation de voir cette voiture évoluer et on a hâte évidemment de voir peut-être des championnats, parce que là, franchement, au son, c'est très 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 agréable. Écoutez un peu. La Corvette C7 Callaway, digne héritière d'une C6 qui aura marqué bon nombre de générations. Et ensuite, la C7 est arrivée, ça n'a pas été simple. Beaucoup d'équipes ont tenté l'aventure avec cette américaine. Elle a eu beaucoup de succès en Allemagne avec le championnat ADAC. C'est d'ailleurs là où elle a été championne cette année. On notera également la présence de ce modèle au sein de l'équipe L'Arbre Compétition, 24 heures du Mans. C'était en version GTE, voiture disponible d'ailleurs dans les deux versions, également évoluant aux États-Unis et à Daytona. C'est une voiture qui a été eh bien, un petit peu, peut-être passée un peu trop vite au rang d'anecdotique. Et pourtant, Dieu sait qu'elle est agréable. Moteur avant, extrêmement coupleux. On reconnaît là la patte des moteurs américains et un châssis absolument démentiel. Le son est très réussi, le comportement est également un vrai bonheur. J'ai choisi de la faire évoluer sur Spa-Francorchamps parce qu'on n'en a pas vu tant que ça évoluer sur ce circuit. Et je me suis dit que pourquoi pas essayer d'amener cette Corvette qui eh bien, est à l'aise partout. C'est aussi une de ses facilités. Voiture simple, efficace, à l'américaine, brute, pas trop compliquée à mettre au point. Franchement, un vrai plaisir pour les purs et durs qui aiment piloter, tout simplement. Voiture qui est à l'aise partout, comme je le disais. Je reste convaincu que la Bentley est la plus homogène en performance, mais ici, c'est vraiment une voiture, s'il fallait faire une course de 6, 12 ou 24 heures, eh bien c'est un petit peu sur ce genre de modèle qu'on se tournerait pour la fiabilité peut-être IRL, je ne sais pas, mais le confort en tout cas en jeu nous permet de bien nous attarder sur bien son placement et son comportement en piste, et c'est un réel bonheur de voir cette voiture pilotée
par de très grands pilotes. On a vu quand Sim Racing a commencé à être un petit peu popularisé. On va voir ce que ça va donner sur R Factor 2. Elle est également en ce moment en train d'être déployée sur Race Room Racing Experience. Cette Corvette est là et il faudra compter avec elle, je pense, dans les années prochaines en GT3, même si elle est encore timidement présente en Europe. Ça peut être un projet très intéressant. Malheureusement, il n'est pas forcément soutenu par l'usine. Alors, s'il faut mettre 5 euros dans une des voitures, je vous inviterai peut-être, si vous êtes débutant aussi, en tout cas vous êtes un passionné de GT3, de vous tourner plus vers cette voiture que les autres. Pourquoi ? Parce que pour moi, elle est... je vais peut-être aller un peu loin. Elle est à l'image de ce qu'étaient les Corvettes C5R sur GTR2. C'est un petit peu cette sensation de pilotage que j'ai retrouvée derrière cette Corvette C7 Callaway qui fait parfaitement le travail, à un comportement, comme j'ai dit, qui est vraiment confortable. On sent toute la patte américaine de cette voiture et c'est un vrai bonheur de la faire glisser. On peut se permettre celle-ci, un peu comme la McLaren d'ailleurs, de la faire glisser. Elle est un petit peu survireuse, mais vous voyez qu'à l'attaque du raidillon, en caméra embarquée, ça coupe le souffle. Allez, pour le plaisir, avant de quitter cette Corvette C7 Callaway, on va se faire un dernier raidillon. Montez le son. On change un petit peu d'univers pour cette quatrième et avant-dernière voiture. Place à la Radical RXC Turbo, un bolide que l'on connaît comme le seul prototype, en tout cas le seul véhicule produit par Radical de manière couverte, fermée. Alors un petit peu surpris de voir la présence de cette voiture, car techniquement, ce n'est pas une GT3, c'est un GT Pack dans ce cas-là qu'aurait dû sortir nos amis de chez Studio 387, parce que là, on retrouve une voiture qui est assez absente de beaucoup de championnats. Si vous-même vous connaissez des divisions où cette voiture évolue, hormis le connu GT Open bien sûr, eh bien n'hésitez pas à venir me communiquer un petit peu ça dans les commentaires, parce que moi j'en ai déjà vu passer quelques-unes, mais sans doute beaucoup plus popularisées en Angleterre qu'ailleurs. Alors cette voiture est assez intéressante parce que c'est un petit peu l'enfant terrible de ce pack. C'est un énormissime karting monté sur ressort qui vous donnera des coups de pied dans le dos quand vous essayez de dormir. C'est vraiment... comment vous dire,
constamment être remis à sa place. C'est comme si vous étiez en train de réciter votre leçon et chaque fois que vous faisiez une erreur, votre professeur vous mettait une droite. Et bien ici, c'est un petit peu pareil. Vous pilotez, vous faites très attention et un instant, vous regardez un petit peu sur le côté ou vous regardez les lettres sur le tableau de bord, vous ne faites pas attention et bim, c'est la sanction et vous sortez. D'ailleurs, j'ai été proche de la sortie quand j'ai tourné cette vidéo à plusieurs reprises, notamment au niveau du freinage de cette chicane ici qui était assez connue, la chicane Bienvenue au Québec, bien sûr, le mur des champions à l'extérieur. J'y suis allé quelques fois dans le mur des champions, non pas de mon propre gré ou pour flatter mon ego, simplement parce que la voiture en entrée de virage avec la balance des freins était un petit peu compliquée à tenir. Alors voiture très convaincante sur plusieurs points, elle colle énormément au sol, vous vous doutez bien qu'avec une aéro pareille, elle est quasiment indécollable, mais si vous êtes un petit peu trop tartineur avec le volant en sortie de virage, il y a moyen de la mettre un petit peu en difficulté. Ça reste un bolide très intéressant, alors que l'on constate d'ailleurs que sur le rétroviseur de certaines caméras, pas tip top au niveau des reflets. On va revenir en conclusion évidemment sur la modélisation, le son, etc. de manière globale, mais de manière isolée, cette voiture, si vous souhaitez investir uniquement dans ce modèle, honnêtement je vois pas réellement d'intérêt parce qu'elle est plutôt embêtante qu'autre chose. Alors pas embêtante dans le sens où on ne s'amuse pas au volant, bien au contraire, mais embêtante dans le sens où elle va vous titiller et elle va vous pousser à l'erreur au point de vous énerver. Alors effectivement, c'est pas une voiture surpuissante, c'est pas une voiture indomptable, elle n'est pas compliquée, mais elle est juste agaçante et énervante. Et c'est ça qui fait tout le charme de cette petite RXC Turbo, c'est que il faut réussir à la manier et elle paraît toute mimi, toute anodine comme ça. Mais finalement, quand elle se réveille, elle se révèle être l'une des plus compliquées à tenir sur la piste dans ce pack GT3. Vous l'avez constaté, que ce soit en vue extérieure ou en caméra embarquée, la voiture vrombit, c'est le moins que l'on puisse dire. Et elle est assez intéressante, comme je vous l'ai expliqué, avec son comportement bestial. Voiture que je vous conseille évidemment, il n'y a pas vraiment de voiture que je vous déconseille dans ce pack. Mais prenez-la bien pour ce qu'elle est, un bolide très fun. Mais si vous ne voulez pas investir dans ce genre de bolide, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil du côté d'Automobilista où il existe des packs britanniques, en tout cas des packs qui proposent ce genre de voiture pour beaucoup moins cher avec les réductions récentes. Donc essayez de mesurer le pour et le contre. Si vous ne prenez pas le pack à 15€, franchement, c'est peut-être l'une des voitures à laisser un petit peu de côté parce qu'elle redevient assez banalisée avec ce que l'on peut trouver ailleurs. Si vous êtes pilote sur iRacing, c'est une voiture que je trouve aussi assez proche de ce que propose la Radicale ouverte dans son comportement. La cinquième et dernière voiture de ce pack, nous allons partir entièrement, 100% en Angleterre avec donc Brands Hatch dans sa version Grand Prix qui nous accueille avec cette McLaren 650S GT3, un bolide donc à moteur arrière, c'est le second avec la Radicale RXC Turbo. Elle tranche véritablement avec ses collègues de ce pack GT3 parce que c'est la plus peut-être intéressante à piloter. Voiture déjà disponible sur bon nombre de jeux de simulation comme iRacing ou encore Race Room. C'est ici sur Air Factor 2 que l'on va peut-être pouvoir vraiment de nouveau reprofiter de cette génération de GT3 grâce à cette McLaren. Franchement, voiture qui était assez spectaculaire à sa sortie dans sa première version, la MP4 12C, ensuite cette 650S. On sait que depuis quelques semaines, quelques jours, McLaren a présenté un nouveau projet, la 670S, qui devrait bientôt également arriver sur nos circuits. Donc il faut profiter tant qu'on peut de cette voiture qui sera bientôt remplacée. Et bon sang, comment vous expliquer le pied que j'ai pris à piloter cette voiture? Alors effectivement, c'est un moteur arrière, donc c'est un petit peu différent de ce qu'on avait jusque-là. Le placement en virage n'est pas si compliqué que ça malgré la répartition du poids de la bestiole. On a vraiment la possibilité de faire des choses avec cette voiture, mais surtout,
sa grande, grande qualité. Là, ce sont les virages. Les virages, il n'y a rien à dire. Cette voiture est à l'aise. Elle ne bouge pas. Elle est collée au sol. Alors là, l'IA était peut-être un petit peu faible du côté de Brands Hatch. Mais sincèrement, on a une voiture qui est impressionnante. Et aussi visuellement, eh bien, on a voilà, ces flammes crachées des échappements. Et ça, ça donne vraiment très, très bien. Bon, ce n'est pas aussi beau et aussi fini que sur iRacing, bien sûr. Mais c'est vraiment très sympa. Donc, une voiture qui a un comportement très intéressant avec son moteur arrière, qui joue, mais qui à la fois vous met en confiance. Donc c'est vraiment très 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 sympa à piloter et à tester. Franchement, de toutes les voitures de SPAC, c'est ma préférée. Alors effectivement, c'est un modèle qu'on a éculé dans beaucoup de jeux, comme je le disais, mais ça reste une valeur sûre. Et là, vraiment, celle avec laquelle je me suis le plus amusé, c'est vraiment celle-ci. Ça n'est pas une autre, même si la Bentley est intéressante, mais elle est agile, performante, mais pour le plaisir pur de pilotage, ça reste celle-ci, ma préférée. Il est temps, je pense, eh bien, de conclure cette découverte. J'espère que ce style un peu différent vous aura plu. On était plus dans le côté présentation que vraiment sensation de pilotage derrière le volant. On a pu vous présenter les 5 voitures de manière assez calme. J'essaie de vous donner quelques précisions. Un peu moins de précisions techniques car les fiches des voitures ne sont pas disponibles in-game et ne voulant pas donner de fausses informations ou de faux paramètres, j'ai préféré m'abstenir sur le côté technique des voitures, mais vous les connaissez bien mieux que moi. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo de découverte, ce nouveau contenu qui, je vous le rappelle, est donc payant 5€ par voiture ou 15€ pour les 5. Un petit conseil, je vous invite à prendre quand même les 5 pour 15€, ça fait quand même vraiment plaisir, surtout si vous en voulez au moins 2, prenez les 5 pour le prix, parce que pour 5€ de plus de 2 voitures que vous voulez, ça vaudra la peine je pense. Voiture variée, plaisir, donc on a l'enfant terrible, la RXC, la Callaway qui glisse de partout, la McLaren qui est vraiment racée, le paquebot, la AMG GT et enfin le passe-partout, la Bentley Continental. Vraiment une pléiade de comportements, de plaisir aussi qui conviendra au moins à beaucoup d'entre vous, je l'espère, avec ces différents comportements. Peut-être bientôt un championnat sur cette extension de proto du côté de la FFSCA. Allez jeter un coup d'œil du côté de 2018, ça peut être intéressant, on y travaille en tout cas. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo de découverte. On se retrouve très vite pour vivre de nouvelles aventures en vidéo. Merci de votre fidélité à cette chaîne. Et d'ici là, les amis, bon amusement en piste, quelle que soit votre simulation favorite. Au revoir. Thank you.